C'est ça. On n'a pas préparé. On n'a pas préparé. On n'a pas présenté. Mais non, c'est vrai. Mais on est là. On est excités. Oui, mais là, ça fait une heure et demie qu'on marche. Le palace. Ah, oui, mais là, on n'était pas venu tantôt. Mais là, il faut le montrer d'abord. Ben oui. C'est ça. On va le montrer. Je te vois plus. Hey, t'es-tu? Ah, oh, non, pas encore. Oh, regarde, c'est beau. Hey, sérieusement, c'est vraiment cool. Ça fait une heure et demie, deux heures qu'on se promène dans la rue principale de Lac Placide. Il y a des petites boutiques. Ah, t'as pas rien fait de comme on est, de comme juste... Ah, ben là, on l'a dit dans la vidéo de rando, là. Ils sont pas si casse que ça, là, les internautes. Mais là, c'est ça, on a marché. On a trouvé un restaurant, on se promène dans cette rue passante. Ah oh, oui, animée oui? De tout le monde. Mais pas trop, pas trop. Juste assez. Juste assez, les terrasses sont ouvertes en ce 15 avril, ce qui ne doit pas être très fréquent. Non, vraiment pas. Donc on est très chanceux et là on va aller manger justement sur le bord de l'eau et on va vous montrer ces belles images de cette ville olympique. C'est charmant, hein? C'est charmant. Ça vaut la peine. C'est cute. Juste assez de gens pour que ça soit animé, mais pas trop pour qu'on soit dans ce feu. Ouais, c'est vrai. Ça serait moins le fun. De la découvrir comme ça. Il y a plein de boutiques, des restaurants. J'ai vu une galerie d'art. Mais il y en a moins qu'à ça. Il y a plein de boutiques de chandail. On approche notre restaurant. Ah, ben Jimmy, on est rendu. Jimmy, on est rendu. Bon appétit. À bientôt. Jimmy's. C'est hot, hein? Hey, hein? Oh, ça m'a commencé. Oh, ça sent. Ça sent. Hey, Super Mario. Hey, oh, Gallo. C'est parti, mes amis! On est arrêté vite vite à notre motel, on a pris une bonne douche après rando et on est ressorti rapidement pour aller marcher dans le village de Lac Placide. Une super belle station balnéaire bien installée sur le bord de l'eau avec plein de beaux hôtels, plein d'activités de plein air et surtout une très belle rue principale bordée de jolies boutiques et de très jolis restaurants. Sinon, bien, pour la petite histoire, Lac Placide a été fondé au début du 19e siècle pour répondre aux besoins des mines de fer qui venaient d'être découvertes dans la région. La ville est principalement connue pour avoir accueilli deux fois les Jeux olympiques d'hiver, en 1932 et en 1980. Au départ, les Adirondacks n'attiraient que les touristes l'été. Lac Placide offrait des activités de randonnée, d'équitation, de baignade, de chasse, de pêche. Mais en 1904, le club importa 40 paires de skis de la Norvège et décida de demeurer ouvert tout l'hiver. En plus de ce nouveau sport appelé ski, il proposa à ses membres le patinage et le toboggan, une première dans l'histoire américaine des activités hivernales organisées. Continue notre promenade dans ce village qui vit encore aujourd'hui de son legs olympique passé. Des athlètes s'y entraînent hiver comme été, que ce soit sur le tremplin de saut à ski à 90 mètres de hauteur, sur l'ancienne patinoire olympique ou sur la piste de bobsleigh, qu'on peut aller visiter même en été, hein? On peut même l'essayer. Sérieusement, c'est vraiment l'endroit parfait pour venir passer une belle fin de semaine. L'endroit est charmant, on se sent super bien, les gens sont sympathiques, les gens sont gentils, souriants. On peut donc flâner comme ça, un peu n'importe comment. Et tout simplement, on peut apprécier la vie entre un moment relax et une belle activité en plein air. Ben, tu nous présentes tout ça? Oh, mais oui! On mange à Lac Placide la sauce française. Et
et je sais pas si on voit ici, le caran... Le canard à l'orange et rôti. Avec une vue... Avec une vue incroyable. Sur un lac. Mirror Lake. Qui n'est pas le lac, mais la Bon appétit! Bon appétit! Terminé, mes amis. Likez, petit pouce bleu vers le haut. On like, on partage, on commente et surtout, on continue à nous suivre. Bye bye!